Salut à tous, alors comme prévu, me voilà devant le coffre. Donc, si vous entendez un peu de bordel, j'y peux rien, c'est que voilà, j'habite dans un immeuble, hein, et le voisin, bah, est en train de faire le con avec sa perceuse. Donc désolé d'avance si ça arrive. Donc ouais, en fait, le corail, faut en prendre 30 d'un coup. Pas par morceau en fait, on est obligé d'en prendre au moins 30, enfin pas 30 piles, hein. Si vous voulez, on va en prendre une centaine. Hein. Donc la tactique la plus rapide, c'est d'aller sur un téléporteur, prendre le truc, retourner dessus, enfin pas explorer la salle comme un bourrin quoi. Dès que vous voyez un téléporteur, vous allez dessus et vous êtes sûr de tomber comme ça sur un truc. Donc là, on se retrouve devant Aidon, Idon, enfin je sais pas comment on dit. Donc le fameux monstre. Bon, l'équipement, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas joué là, donc voilà. Bon, l'équipement ça va. Alors on va se le taper. Au sens propre. Au sens figuré. Et ah merde, j'ai même pas mis son truc là. Donc ça l'a rien. J'ai un lit. Donc ça c'est Strago, je vous rappelle, hein, et non pas Mug. Ah, et puis salopard, il y en a un qui a... Oula, non, ça va. On va voir le truc avec Idon, en fait. Je vais dire Idon, c'est plus facile à dire, je pense à la française. Merde, c'est ce que je fais par contre. Je vais taper avant. C'est le con. On est trop tard. Bon, il va nous brûler un peu la gueule. Donc ouais, le truc avec Idon, en fait, c'est que... Il apprend une magie bleue pour Strago, et donc il faut bien attendre qu'il la fasse, sinon Strago pourra plus jamais la prendre, parce qu'on peut la prendre qu'avec lui, hein. C'est le seul monstre qui la donne. Donc là j'ai frappé Sian pour le qu'il arrête de frapper, mais trop tard. Ouais, je vous l'ai dit, le truc c'est de pas le tuer quoi, faut attendre un peu. Donc il est possible que je le tue sans faire exprès. Mais normalement non, parce que si vous voyez cette vidéo, c'est que je l'ai pas fait. Parce que je recommence la vidéo, hein. Enfin, y a une connerie par là qui arrive. Et disons que je vais me faire chier longtemps. Ah, ça a marché. Ouais, pas terrible. Y a pas quelqu'un qui a un scan là, un peu comme ça. Non. Je regarde juste sa vue au cas où. Ah grand train, ben voilà, ben on peut le buter maintenant. Donc voilà, c'est cette attaque que j'attendais. Hein. Ça au cas où ça tuerait quelqu'un. Bon, personne est mort. Ah, comme vous voyez, je suis super inspiré. J'arrête pas de parler. Ah, j'ai pas trop d'inspiration, hein, désolé. Fait pont de terre. De toute façon, tous les ennemis fait pont de terre, qu'est-ce que tu veux faire? Y'a pas d'attaque terre. Enfin, il y en a une, mais elle nous bute en même temps, donc pas très utile. Donc ouais, tout ce qu'il reste à faire, bah, c'est balancer des trucs. Donc une fois qu'il a fait rentrer, bah, Strago la prendra à la fin du combat. Donc là, on bourrine, on bourrine, on bourrine. Donc je vous dis, ça c'est une des quêtes annexes les plus faciles. Donc c'est pas la peine de se presser. Hein. Je vous conseille de la faire en premier. Ne pas lui lancer du poison, parce que ça le soigne. Enfin, comme vous voyez, on risque quasiment à tout, enfin, il risque pas de nous tuer tout de suite. En plus, j'ai pris mes persos les plus faibles. Hein. Voilà, une des 4 à faire en premier. Moi, je l'ai pas fait dans le bon ordre, hein. Enfin, y a pas d'ordre, mais je touche au pif. Hein. Enfin, je garde quand même les plus durs pour la fin, quoi. Et voilà, vous voyez, c'était pas long. Et voilà, grand train. Le meilleur truc de Strago. Enfin, c'est ce que je vois partout, que c'est le meilleur truc, mais moi ça m'a l'air un peu minable. Hein. Je crois que c'est assez cher d'ailleurs. Donc là, il va retourner voir Gungo.
pour voir qu'il a battu, voilà, bon, il est bien cité, hein. Le vieux. Pourquoi Gengo c'est marqué en majuscule? Alors que Strago, marqué en minuscule. Ah, je vais le laisser faire sa gym là. Attends. Vas-y. Toi là, il y a Strago qui encourage là et l'autre il fait des sauts. Allez, vas-y. 100, c'est bon. Voilà. Stop, bordel. Ouais, à mon avis en fait il était pas blessé du tout quoi. Il a juste fait genre pour qu'on on aille le battre à sa place quoi. Quand il s'appelle putain. Vous voyez, aucun perso n'est laissé au hasard, hein, ce que je vous ai dit. Il y en a pour tout le monde dans les 4 quoi. Ah, je vous ai dit, hein, il peut vraiment. Pas vraiment blessé quoi. En même temps ça se voit pas trop, le gars il saute comme un con, ça. Voilà, donc pas vraiment de récompense si ce n'est voilà la magie bleue, hein. Grand train, je crois qu'elle est super chère en plus, hein. Tout le coup je raconte des conneries, non elle est super chère et je suis pas sûr qu'elle soit si forte que ça en fait. Donc si je me trompe pas, dans FF8, ouais FF8, il y a une GeForce, enfin une invocation quoi. Putain, on peut même pas dormir chez soi quoi. Ouais, qui s'appelle L-Train ou un truc comme ça. Donc à mon avis c'est pris de grands trains aussi. Quand je dis ça, c'est pas sûr, hein. C'est pas parce que c'est deux trains aussi. Bon, oui, ça je vous l'avais déjà montré. Donc justement, c'est la prochaine quête qu'on va faire, il faut être avec Sian. Faut être avec Sian, mais je vais peut-être enlever Ralm et Strago parce que bon. Enfin, Strago encore, ça va, mais. Mais Ralm, laisse tomber quoi. Bon, alors là, ça va être une quête beaucoup plus dure. Hein. Donc, faut aller dans le château de Doma, vous l'éliminez. Et il faut impérativement avoir Sian dans l'équipe. Après, il faut dormir dedans et voilà. Voilà quoi. Donc allez, pour déconner, on va prendre le marron. Je fais le con et je devrais pas parce que c'est pas si simple que ça. Hein. Shadow... Ouais, on va prendre Terra. Je prends toujours les plus forts et puis les autres, après je les laisse comme des merdes, planter comme des cons. Ils servent plus à rien, quoi. Mob, cette arme, celui qui a le plus bas niveau, tiens. Ouais, bah... Ah, il y a Go aussi, ouais. Sauf que Go, j'ai plus rien de l'utiliser à ce stade du jeu, parce que personne incontrôlable, c'est chiant. Oui, au pif. Bon, ok. Putain. Putain. Non, en fait, c'est pas du tout au pif ce que je suis en train de faire. Je fais droite-gauche et je m'arrête quand je veux. Attends. Bon, et puis merde. Bon, allez, 7h. Même pourquoi je clique dessus pour l'instant. Voilà. Donc, désolé de l'interruption. Là je vais devoir les rééquiper. Donc vous allez voir pourquoi j'ai pris Terra. C'est pas juste comme ça en fait. Bon oui, elle est puissante. Mais c'est pas seulement pour ça. Attends une minute. Vide. Vide. Non.
non, ouais. On peut pas faire mieux. Donc là, l'avantage c'est que comme Strago il a pas d'équipement, on sait plein de trucs gratos. Hein. Enfin, gratos, vous avez compris. Hein. On a plein d'équipements pour les autres. Quoi. Donc Anorash, ça c'était le premier truc unique pour lui. Et voilà, voici le deuxième. Ah, en plus ça augmente son esprit, ouais. Parce que comme ça augmente ouais, son attaque aussi. Donc, vous allez voir. Donc là j'ai pris parce que c'est un Yeti, voilà. La race supérieure, quoi, c'est tout. Alors, bah, j'ai remarqué qu'en fait, son de lui mettre des boucles d'oreilles, c'est quasiment inutile. Parce que de toute façon, elle fait tellement de dégâts en quand elle en espère que voilà, c'est comme si. Enfin, elle a pas besoin de boucles d'oreilles, quoi. Elle fait déjà les dégâts max. Bon, je vais quand même lui en mettre une. Donc en fait, je dis ça pour. Ça pour rien. Puis je vais lui mettre parce qu'il me faut un truc là. Il faut quelqu'un avec voilà des baskets. Et allez hop, au pif. Ensuite les experts, je vais en mettre des trucs, voilà. Force plus 2, c'est bien. Là, je vais prendre des magies. Donc là il me faudra bien comment ça s'appelle, machin X. Hein. Zonix, voilà. Ah bah elle là. Elle a tout alors. Enfin quasiment quoi. Je vais mettre ça, Terato. Ça peut toujours servir. Ah il peut même pas équiper de. Ouais. D'esper. Ou marron en fait. Hein. Donc voilà. Mais Sian là il me déçoit là, c'est une fiotte putain. Il fait que des 600 avec ces deux trucs. Je rappelle dans les anciennes parties ils espèrent de super dégâts quoi. Ça c'est peut-être pas lui le mieux pour ça quoi, pour lui mettre l'offrande et le Ganganji puisque voilà quoi, il a pas des. Enfin il a des bonnes armes mais il peut pas être Lumina ou l'Armatma, tu vois comme ça. On verra plus tard. Alors là, si vous avez toujours pas compris, je vais au château de demain. Donc petit inconvénient. Complètement paumé, je sais plus où c'est. Donc on va faire le tour de la carte. Le tour du monde en 80 jours. Enfin. Voilà quoi. Voilà, c'est Zozo, ouais. Attends, si je me souviens bien, Sian c'était le scénario Sabine, on était passé par le Veldt. On ne savait pas être loin de là normalement. Ça c'est quoi? Ah bah c'est ça. Coup de peau. Est-ce qu'ils sont à fond? Ouais. Ok. Donc ils ont pas tous des super niveaux. Hein. On va faire avec. De toute façon, ce sera pour la prochaine vidéo. Alors au pire, je ferai du level up entre les deux. Donc encore une fois, désolé pour la chiantise de la vidéo. Genre des mots là. Donc je suis sûr que vous allez me dire en commentaire mais non c'est pas chiant machin. Et vous obligez pas à dire que c'est pas chiant quand c'est chiant. Dites-le que c'est chiant. Je vois bien moi-même. Là je m'emmerde là. Enfin bon c'est que 20 minutes de calvaire. Hein. Ah donc faut dormir. On peut dormir putain. Dors. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Il veut pas dormir. Bon. Alors monsieur Sian ne veut dormir que dans certains lits. Ah bah voilà. Ouais il prend que les lits de luxe, le gars, c'est pas chier. En plus c'est là où il y a le cadavre de tous ses potes, tranquille, il va dormir. Enfin bon. Donc voilà. Ils sont tous réveillés, sauf Sian. Donc le rêve de Sian c'est assez long hein, si je me souviens bien. Ils ont les chaussures en acier quoi pour faire du portail pareil. Ah je me rappelle de ces cons. C'est des boss. On dirait pas comme ça. Voilà.
Là, on le saute sur la gueule. Et on se retrouve dans son rêve. Ah, ça, j'ai oublié par contre. J'ai oublié ce détail. On est séparés. Enfin, on va vite retrouver les autres. Hein. Mais même une fois qu'on aura battu. Putain, je fais que de la merde. Même une fois qu'on aura battu. Bon, attends, tu sais quoi, fuis. Parce que tu fais n'importe quoi. Ouais, une fois qu'on aura battu les trois garçons là, ça sera pas fini. Hein. Mais alors pas du tout quoi. Je vous dis, il est assez long le rêve. Et à la fin en fait. Attends, je vais pas crever ici là. Mais putain de merde. Allez, ma parole, on va crever. Putain, ça le réveille pas. Oh non, pas ça. Putain, mais réveillez-le, merde. Putain, on peut pas fuir, ok. Mon dieu. Putain, il a que ça en plus. Ah, mais c'est la rage, là. Oh putain. Ah, mais là, j'ai échappé la mort de près, quoi. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, j'y arriverai. Donc là. Je suis con, j'allais me soigner avant de prendre une tente. Ça sert à rien, vu que la tente elle soigne. Bon, une tente. Voilà. Putain, le pauvre était là. À côté là. Putain. Bon, voilà. Donc, à la prochaine vidéo. Qui doit être plus intéressante, je vais essayer de le faire quand je serai inspiré parce que là. Enfin voilà quoi. Bon allez, salut! Putain, merde, elle est où la souris? Allez, voilà. Je suis tellement plus habitué que je retrouve plus la souris quoi. Voilà. Bon allez, salut!